Stop. Sors comme ça, toi, là. Ça, c'est mon appareil. Donne. Ça, c'est mon sac. Pardon. Ça, c'est mon argent. Pardon. Au secours. Nous avons l'argent dans la caisse du quartier. Nous avons des électriciens. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail et à gérer. Bon, moi je voudrais savoir si les travaux commencent quand et se terminent quand. Ça fait des problèmes. Donnez-nous un mois et revenez pour l'inauguration de l'éclairage public du quartier des Un mois, chef. Là, c'est trop. On a entendu pendant 2 mois. Et aujourd'hui, tu nous dis encore d'attendre après 1 mois. Comme tu n'as pas pu éclairer les quartiers, donne-nous l'argent, on va s'organiser nous-mêmes pour éclairer les quartiers, n'est-ce pas? Oui. Et aussi assister les victimes de viol. Donne l'argent aux mamans. Elles sont si bien organisées et elles vont relever le défi. Voilà. Nous avons besoin de notre argent et aujourd'hui, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi, madame? Dis, madame, attention. Où tu as vu une femme gérer là où il y a des hommes? Nous avons étudié. Travaillons et gérons. Au travail et à la maison. Attention, madame. Tu dois faire très attention. Surveille ton langage, je t'ai dit. Il y a de chefs femmes, monsieur. Il y a de chefs femmes. Tu sais ça? Bon, ça va, ok. Revenez demain. Je vais vous donner votre argent. Non, aujourd'hui. Mais je dois négocier, non. Je dois parler avec le notaire. Où je vais sortir cet argent? D'accord, demain si on fait, je vous donne notre argent. Pas de vous prenez votre argent demain? Oui, okay. Ma sortez de mon bureau, sortez. Demain, vous donnez votre argent. Demain, pas de soucis. C'est quoi ça?